châtier les vilains. Ouais, vas-y, Nordi, t'es le plus fort. Aïe, non mais ça va pas la tête. Cette parsifolia est magnifique. Elle enchante tout le salon. Qu'est-ce que c'est? C'est une plante qui donne des boutons? Pas du tout, mon chéri. Ne t'inquiète pas. Elle est totalement inoffensive. Rien qu'à te regarder, je me gratte. Qu'est-ce qui t'arrive, le monstre? T'avais jamais vu de plante ou quoi? On n'est pas bien là, tous les deux, sous les étoiles. Tiens, fais coucou à ma mère. Tu es tellement belle au clair de lune, tu sais. Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, à part m'empêcher de dormir. Bah, tu vois, Nordi, on profite de cette belle nuit. Comment ça, on? Et personnellement, je préférerais profiter plutôt de mon lit. Oh, mais je parlais pas de toi. Nordi, j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas possible. J'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un. Jimmy, il est 4h du matin, ça me gratte, j'ai froid, et Nordi, je crois que je suis amoureux. Mais de qui? Nordi, je voudrais te présenter Parsi. Tu peux casser la plante parce que je vois rien du tout. Nordi, en fait, c'est la plante. Jimmy, va falloir qu'on discute là. Donc, si j'ai bien compris, tu es amoureux de la plante de ma mère. Totalement amoureux. Non mais t'as vu ses feuilles et son petit pot? Mais en fait, Jimmy, mais c'est une plante. Elle peut pas bouger, elle peut pas parler. Remarque, elle a que des qualités. Oui, mais non, c'est un être vivant comme nous. Moi, elle me raconte plein de choses. Là, par exemple, elle a trouvé ta remarque très déplacée. Mais... tomber amoureux d'une plante? Oh, vous êtes vraiment bizarre, vous, les extraterrestres. Enfin bon, si elle te rend heureux, c'est le principal. Hé, hey, Nordi, tu sais quoi? Parsi a une cousine de son âge, une petite orchidée avec de très grandes feuilles. Il paraît qu'elle est super jolie. De ça plus tard, hein? Parce qu'il est tard. Bonne nuit, choupette. Bon lieutenant! Jimmy est amoureux d'une plante! Et c'est pour ça que vous me réveillez au beau milieu de la nuit? Ah ben oui. Je sais pas encore comment ça peut nous aider à le capturer, mais j'y travaille, lieutenant. Alors allez travailler dans votre box, espèce d'idiot! Et laissez-moi dormir! Et la lumière, c'est pour les cochons? T'as vu? Ravissant, non? Je viens ici tous les matins pour écouter les grenouilles, admirer le soleil levant. Comment? Tu veux t'installer dans notre chambre? Nordi? Mais évidemment qu'il sera d'accord. Je suis sûr qu'il t'adore. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas installer cette chose dans ma chambre? Je pensais pas que ce serait un problème. Tu sais, on peut vraiment pas vivre loin l'un de l'autre. Mais elle me donne envie de me gratter. Mais c'est rien, tu vas t'habituer à elle. Voilà, mets-toi à l'aise, choupette. Comment? Ah, c'est vrai, la déco est pas terrible. Et tu as raison, ça sent un peu la chaussette. Mais tu vas voir, on s'y fait. Oh, ça va, hein? C'est encore ma chambre, que je sache. Ah, je sens qu'on va passer de très bons moments, tous les trois.
cousin, tu peux toujours jouer avec moi si tu veux. Alors ça, jamais de la vie. Hé, hey, attention, Monsieur Pompon a une crinière très très fragile. Machine. Toi et moi, on a pris un mauvais départ. Je comprends, vous êtes amoureux, gna 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 et tout ça. Mais Jimmy est mon seul ami et je veux pas le faire. Désolée de t'interrompre, mais tu sais que tu parles à une plante. Peut-être, mais c'est un être vivant, je devrais dire. T'entends ça, Monsieur Pompon? C'est vraiment n'importe quoi. Excuse-moi, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Je disais donc, j'ai bien réfléchi et j'ai trouvé une solution. Et voilà, tu seras bien ici. J'espère que la décoration est à ton goût. Et au moins, tu vois, ça sent pas la chaussette ici. Pas comme dans ma chambre! Je te préviens, hein, ça sert à rien de te débattre. Vous allez voir mon plan, lieutenant. Imparable! Vous me fatiguez, sergent. À cause de vous, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai capturé la petite copine de Jimmy. Et comme Jimmy tient à elle, ben, il va venir la chercher. Et donc? Bon là, je prends une poule. Mais c'est juste pour vous montrer, hein. En fait, c'est Jimmy qui viendra, pas la poule. Merci, j'avais compris. Et là, poule! On l'assomme avec une énorme pierre qui lui tombe dessus. Alors? Alors? Je veux retourner me coucher. Ah bon? Lordi, je voulais te dire, on rejouera ensemble très bientôt. Là, je passe beaucoup de temps avec Parsi, mais c'est parce que je suis amoureux. Tu sais ce que c'est? Mais non, je sais pas. Mais bon, t'inquiète pas pour moi, Jimmy. Donc, je suis toujours ton meilleur ami de l'espace? Évidemment! Check! Check! Et au fait, elle est où? Jimmy, peut-être qu'elle a simplement décidé de te quitter. Quoi? Mais c'est horrible! Ben oui, c'est pour ça que j'ai pas de copine, moi. Oh, pauvre Jimmy! Non, mais, tu sais, mais c'est pas grave, hein? Je suis là, moi! On va pouvoir rejouer ensemble comme avant! Rien que tous les deux, tu verras, ce sera super! Mais pourquoi elle m'a quitté? Jimmy? Juste pour information, tu te souviens quand même que je sais pas nager, hein? Chez les blarmes, les chagrins d'amour, ça dure plusieurs jours. Bon, Jimmy, va falloir fermer les robinets. Moi, je vais essayer de trouver par-ci, par-là. Oh non, c'est pas possible. Où est passé par-ci? Il ne viendra pas. Je veux dormir. Mais si, viendra. Je vous dis que non. Mais si. Non. Si. Ah, Parsi, ça me fait plaisir de te revoir. T'as pas changé. Voilà, voilà. Bon, d'accord. Je sais pas comment t'as atterri ici, je peux pas le savoir. J'avoue que j'ai très mal agi et je m'en excuse. Je suis désolée parce que je voulais pas. J'ai pas réfléchi. Je le referai plus. Je te promets. Écoute, j'ai un marché à te proposer. Tu me promets de rien dire à Jimmy et moi je te laisse revenir dans ma chambre. Il est très triste, mais moi j'ai pas envie de le voir comme ça. Alors qu'est-ce que tu dis? Marché conclu. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Regardez, Jimmy est venu chercher la plante. Je le savais. Il n'était pas génial, mon plan. Cette fois, je retourne me coucher pour de bon. Parsi! Oh, ben la pauvre! Elle était perdue, seule, en plein soleil! Sans mon aide, je sais pas ce qui lui serait arrivé. Pas vrai, Parsi? Ah, choupette! Merci beaucoup, Nordi, t'es le meilleur! De rien, Jimmy. Je suis content que tu sois content. Et puis, je veux bien partager ma chambre avec vous deux. Ce sera pas la peine, Nordi. Parsi va partir sur ma planète. Yeah. Elle m'attendra là-bas. Elle va pas s'ennuyer? Non, elle sera pas toute seule, tu sais. Et puis elle a hâte de rencontrer mes parents. Hein, Parsi?
Bienvenue, mademoiselle Parsi. Je suis ravi de pouvoir enfin faire votre connaissance. Oh, vos feuilles sont vraiment magnifiques. Mon fils a décidément très bon goût. Venez, je vais vous montrer vos appartements. Voilà, je vous laisse entre vous. Oh, lieutenant! C'est vrai que mon plan, il était tout pourri. Mais là, j'en ai un autre qui est carrément meilleur. Je creuse un trou, je joue de la flûte et... Faites de beaux rêves, sergent.